A-Z-E-R-T-Y, Ouais, tac. pour scinder. Ouais, T'as vu Bendo, hé! hein? Bendo, il est pas bête, hein. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pidi et pas pour n'importe quoi. J'ai ramené la reine du Tap to Clean. Wow! Pour regarder une ancienne mission que je regardais avec Véro. Ça date, hein. C'est une mission à l'époque où il y avait deux personnes, pros du ménage, qui allaient découvrir des endroits vraiment dévastés par la crasse, par la saleté, par la non-organisation des gens. Les deux personnes en question, pros du ménage, à nettoyer et tout, et donner des petits tips à la personne pendant une propriétaire. Semaine, c'est ça? La dernière mission que j'ai regardée, il y a même des voisins qui venaient aider. Arrête. Tu vas aider tes voisins à faire le ménage, toi? Oh non. Moi non. Et je pense que c'est la première fois que je fais un tournage dans ton studio. Mais c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je commence à faire des tournages dans mon studio. Tu sais que là, le petit bruit d'intro, je sais le faire. Vas-y, fais. Ah ouais, c'est bien. Déjà là, ça fait un peu drama queen, t'sais. Ah là, c'est drama. Hein. Avertissement sans trucage. T'as vu, ils disent que c'est bien réel, hein, ouais. Donc au final... Si vous avez atteint le niveau zéro ouais, mais du nettoyage... Est-ce qu'au final, tu crois que... C'est pour... Mais je crois qu'il y a une maladie qui s'appelle comme ça. Thibaut Inchem, il avait fait une vidéo... Oh là là! Les queens! Ah non, mais là, c'est incroyable. Il y en a une, c'est Chantal, non? Daniel et Béatrice. Daniel et Béatrice. Mais tu confonds Chantal avec. Ah, Samantha, oups! Oh, Chantal! Oui, tu confonds avec ça! Ils en faisaient un peu trop quand même. Ils avaient une. C'est du propre mobile, genre. Ils avaient ah, un ticket oui, dans du propre. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nos as du ménage, Daniel et Béatrice, vont relever un défi inédit. Jamais dans toute l'histoire de C'est du propre, elles n'ont eu affaire à une maison. Non, mais ça, on est d'accord que ça, par exemple, c'est impossible en vrai de vrai. Non, mais en plus, là, c'est le matin, on vient de déjeuner et tout, là. Ça dex. Non mais c'est pas possible. Comment tu peux vivre dans ça? Quand ici on dit pas comment tu peux vivre dans ça, c'est comment tu peux vivre dans ça. Ouais. Détritus, gravats et crottes de chien, odeur pestilentielle. Non, non, c'est... Attends, il y avait une crotte de chien pourrie. C'est déjà arrivé de retrouver une crotte de doudou, genre, mais qui date, tu crois, genre. Alors, te Tifouné, c'est un petit coquin, il fait caca derrière le canapé. Ah, sauf oui. Que j'ai un volet derrière mon canapé, donc tous les matins et tous les soirs, je vais fermer ouais, le volet. Tu vois, donc, tu vois je direct. Sais que le soir, il n'y a pas de caca, mais le matin, il y en a. Est-ce que dans le tube de l'aspirateur, t'entends du. Ah non. Ah, c'est lui le propriétaire. Ah, c'est proprio. Bah, après, il fait pas si sale pourtant. Je me dis, genre, je suis comme ça, genre, moi j'ai honte. Mais jamais de la vie, je passe à la télé. Ouais, moi non plus, j'ai honte. Après, peut-être qu'il passe à la télé, du coup c'est clean et il paye pas. Mais il y a. Hassoul. C'est ça. Hassoul. Suffira-t-il à rassurer Angèle, sa petite amie, qui refuse de passer plus d'un week-end chez lui? Ah bah, oui, la pauvre Angèle. Ah, mais oui, garde là. Mais t'imagines, genre, t'as un copain, t'arrives chez lui, bam. Val, c'était pas un crasseux comme ça, hein. Je l'ai connu très très jeune. Ouais. C'était pas l'as du ménage. Sa chambre, c'était chaotique. Il était plus bordélique. Si la maison ne change pas, je risquerais de m'en aller. Bah, parce que moi, je me serais déjà barré, là. Petit générique, ça faisait très dessin animé, hein. Ouais, très cartoon. Ça me fait penser au Super Nana. Ah, mais oui. Tu te rappelles Super Nana? Ouais, c'est vrai. La récolte de cette année leur permettra de confectionner une cuvée exceptionnelle. Mais on a changé de reportage. Mais oui, on est où, là? Les vignes Ah, mais c'est peut-être pour faire les produits. Ouais, vinaigre de vin. Emportons le choc en goût. Ah oui, d'accord. Danger de mort. Il a prévenu. Oh, regarde bien ce que je vois. Un diabolo. Le diabolo. Et mon Dieu, il faisait du cirque et il était fort à ça. Toi, ça se voit que t'étais fort. Ah ouais, j'étais chaud. Ouais. T'as tourné les assiettes sur les bâtons aussi. Incroyable. De toute façon, si l'intérieur est pas soigné, malheureusement, à l'extérieur... Moi, des fois, c'est l'inverse. Hein. Je préfère soigner un peu mon extérieur. Comme ça, les gens qui passent, ils se disent « Oh, c'est clean chez eux !» Sympa. Oh non. Mais ils vivent pas là-dedans. Non, pour moi, c'est impossible. Oh, ah, là, ça paraît un peu plus réel. Dans cette pièce, de nombreux indices témoignent que quelqu'un vit ici. De toute évidence, les ordures éparpillées dans la pièce sont récentes. Il y a aussi des vêtements. Peut-être il fait un peu autre chose dans la vie, genre il vit, je sais pas, il est avec ses potes et tout, il est jamais là et c'est le bordel. Genre. En tout cas, il y a une gonze et la gonze, elle veut pas rester deux jours de plus. Hein. Eh, il a une gonze, moi je suis super propre, organisé. Pas de gonze. Pas de gonzesse. Bah attendez, là, vous faites quoi là, les gonzesses? C'est super propre chez moi. Mais oui, regardez ce studio. Regardez. En plus. Mais t'es soigné toi, tu prends soin de tes affaires. Ouais, je fais attention. Ouais. Et là, on a que le visu, t'imagines l'odeur. Ah, moi je touche même pas avec ma main. Bah oui. Oh là là. Oh, mais il a un chien. Ah, c'est gras. Ah, c'est sa tête, genre. Ah, ça, c'est le gras des cheveux. Oh. Ah. Alors, la saleté qui vient genre de la poussière et tout, okay. Je suis en mode bon, c'est comme ça, si tu laisses, ce sera comme ça. Mais le mais là, gras c'est de hygiénique, la... genre vraiment naturel, ah, ça me dégoûte. Ça texte. Oh la vache. Bah, y'a rien moi dedans. Qui marche pas. Moi j'ai besoin d'explications. Ouais, pourquoi là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout le type? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, pourquoi la gonzesse elle est encore là? Et comment il y a fait pour trouver une meuf? Ouais, surtout. Alors que tu t'en as pas. Bienvenue dans la chambre. Jonchée dans les poubelles. Moi on me dit ouais, Pide, vas-y, dors là, ça t'évitera de payer l'hôtel. Je dis je paye l'hôtel. Ah, mais je dors dehors. Et tu vas pas me dire que quelqu'un. Oh, mais le fil là-dedans. J'ai un débat. Les draps, on les lave combien de fois? C'est tous les combien? Vous allez dire ouais, le mytho. Toutes les semaines. Ah ouais. Tous les vendredis. Et les petits draps d'Amiji aussi. C'est mini draps. Les mini draps, ouais, c'est mignon en vrai. Mais vous, c'est combien de temps les draps là? Est-ce qu'il y a des crasseux ici? Moi je pense qu'il y a des gens, ils font des bons de moi. Du violet en plus. Du violet. Non, non, ah oui, du violet. Ah, ça a coulé. Mais t'imagines, mais l'odeur.
Mumu. Ouais, bah ça, c'est les crottes qu'on retrouve derrière le canapé. C'est quoi ça? C'est le couloir, genre. Bah, faut le jeter, madame, là. Bah, ouais, là, ouais. Moi, ça m'arrive des fois, c'est quand c'est trop sale, je jette. Hein. MJ m'a fait une grosse bombe dans un pantalon. Je l'ai nettoyé à l'eau, je l'ai mis à la laver. Encore plein de merde. Je me dis, allez, ça dégage. J'allais pas me faire chier à enlever la merde. Oh non! Non et non! Je peux pas y croire qu'il vit là-dedans. Pour moi, j'y crois toujours pas. Non, c'était la salle de bain, ça. Je pense qu'il faut vraiment que je vois le propriétaire avec sa copine là vraiment en parler tout pour savoir si oui ou non ça mensonge. Mais encore! Putain, mais. Caca moisi, depuis quand ça moisit des merdes? Je sais même pas. Mais attends, mais t'es obligé de prendre ta douche en chaussures. Moi, j'ai hâte de voir le après, bah. Ah oui. Mais sans pas, sans pas. Tu pensais quoi là-dedans? Au fond des chiottes. Bah, de la piste, de la merde. Depuis le temps qu'on l'attendait. Ça y est. Tu décrases pas ça, t'en achètes un nouveau chez Leroy Merlin. Là tu peux pas, il est bouffé par la ville machin. Le point de départ de ce désastre, des drames qui l'ont profondément marqué. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère. Il y a eu du laisser aller un peu avec ma pauvre mère. Ouais mais faut se faire aider hein, loulou là. Je pense que ouais du coup il a eu un full laisser aller. On va pas juger, on connaît pas les gens non plus. Mais ouais. En soi moi à partir d'un moment où tu vois que t'es... Oui il le voit. Ouais. Désemparé et que t'es à la tête sous l'eau. Appelle des gens. Ouais, ouais. Après, il y a eu la démarche d'écrire assez du propre. Et puis même la santé, c'est important. Les acariens, les bactéries, tu respires, ça va pas. Et pourtant, il est pas enrhumé. Hein. Non, non. Et puis, c'est propre chez moi et je suis malade et je rêve. Et tu t'as pas de neuf. Bah, moi, j'ai pas de neuf, toujours pas. Mais je suis sûre, en plus, toute clean, elle peut être jolie, sa gueule. Ouais, bah, ouais. Ça fait quand même 18 mois qu'on est ensemble. Tu comptais en mois, toi, avec Val? Non. Tu sais, même moi avec MJ, c'est vrai que bah, même les habits, tu vois, c'est 6 mois, 8 ouais. mois, 12 mois, 18, 24. Et en fait, après, t'es là en mode, mais attends, mais 24 mois, c'est combien? Là, quel âge à MJ? 8 mois. Tu sais qu'à chaque fois, on me demande, je suis en mode. Bah ouais, ça passe vite. Hein. Ah, ils sont là, c'est bon. Les va y avoir explication. Confrontation, ouais. Moi, je suis là, Angèle, j'y vais pas. Ouais, moi non plus. Ah non, merci. Je dis, c'est ta baraque, tu te démerdes. Oh, petit père. Après, il a l'air d'être heureux, le petit chien. Ah oui, oui. Et vous, vous vivez ici aussi? Le week-end. Vous sentez aussi, non? Vous sentez cette odeur? Ouais. Et j'ai envie de te poncer le mur, là. Petite peinture. Appelez-moi, hein. Appelez-moi, ouais, moi, je vous fais ça bien. Bricolo fable. Putain, j'ai hâte de voir, là. Ouais, moi aussi. Hein. Vous vous lavez là? Ouais. Oui. Là. Et vous en sortez comment? Propre ou sale? Mais là, c'est irrécupérable. Hein. À part avec un desktop express, là. Et les plus, mais... Wouh. Sexy, sexy, hein. Dentelle. Allez, go. Alors, ça, c'est la poubelle, ça. À tout à l'heure. Ah, du coup, elle se casse. Ah bah ouais, elle laisse trier. Eux, c'est pour le lavage. C'est pas vrai. Ah, si, si. Vous avez fini, Philippe? Non, il me reste encore un sac. Oh là là. Bah, il y a quand même beaucoup de choses à enlever encore, là. Je te transforme, ouais. Vas-y. Mais je rêve, ça fait de la post-prod et tout là, le on femme. On fait quelque chose. Mais elle a une très bonne odeur. Ah bah mieux que chez toi en tout cas. Comme de la poudre à récurer un peu. C'est de la poudre à récurer. La poudre à récurer, ça me dit rien moi. Bah ouais, mais bon après nous on utilise Monsieur Propre à nous. Je j'appelle ça juste le pchit. Ouais. Passe-moi le pchit, et tu le pchit, tu l'utilises pour toi. Vous êtes bien parti, je vous laisse faire. Oui, bien sûr. Il a trop le sang. Nettoyez vos canapés. Je crois que vous l'avez jamais fait. Puis là, c'est pas du range bois. Ah oui, oui, là, vous travaillez mieux que moi. C'est bien, Philippe. C'est bien, Fifi. Tu vois, ils sont beaux, ces canapés. Bah ouais. On va tamponner la tache. Moi, j'ai merdé avec une tache. Ah mince. Ah mais oui. J'ai une tache de peinture, j'ai mis du white spirit dessus. Alors, je vais vous donner une autre petite astuce. Si vous n'avez pas de talc chez vous, vous allez me faire griller du pain. Non, votre pain est... Vous voulez juste un petit déj. Ouais. Retournons à nos moutons, à nos pommes de terre qui doivent être cuites. Elles vont faire quoi avec ça? C'est nettoyer le carrelage. Ah, attends, mais je vais faire ça chez moi parce que j'ai des taches qui partent pas. Qui est en train de faire des pommes de terre, Val? Bah, tu fais quoi? Bah, je vais faire le carrelage. Raclette ce soir, non, carrelage. Oh, y'a raclette? Non, je fais le ménage. Plus l'eau est chaude, mieux c'est. Plus ça décolle. Ah, bah, on voit enfin le carrelage. Cet après-midi, je vois une story de Pete qui fait des patates. Vous avez vu la couleur de l'eau là? Oui. Oh là là. C'est noir. Mais c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne quoi. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Continuez. Exactement. N'oubliez pas de rasser à l'eau claire. T'as vu ce qu'ils font Dany et Béa depuis tout à l'heure? Eh, hey, vous en sortez bien là? Eh, hey, je me allez, casse. Allez, on se casse, on va boire un café. À tout à l'heure, Daniel. Ah, ça va, il y a le sourire là. Là, il est là, il a le full là, smile. Là, il est happy là. Béatrice et Daniel qui n'hésitent pas un seul instant à lancer un appel. Faut quoi là? Ah, attends, il y a des gens qui viennent aider. Ah, je me souvenais pas. Ça, tu vois, ça sent la fin. Une fois sur les lieux, c'est une tornade de produits ménagers qui s'abat sur la maison. Oh là là. Il faut absolument que vous éduquiez votre chien. Déjà la sortir deux fois par jour. Ah oui, mais c'est pas plus, deux fois par jour. Oui. C'est un grand chien, ça a plein de gambader. Hein. Et surtout quand il fait dehors. Alors là, car... bien. Elles en savent rien du tout, hein, parce que Doudou, quand on a fait une petite bêtise, même deux heures après, elle est encore comme ça. Ça fait les gros yeux là. C'est pas moi. C'est pas moi. Hey, j'adore les chiens, c'est vraiment trop mignon quand même. Cool, hein. C'est super cool un chien. Pour dissuader Shiva de faire ses besoins Shiva. Dans la maison. Non mais attends, c'est le comble. Shiva, c'est une société de ménage. Ah ouais? Ouais.
savais pas. La chaîne, elle s'appelle Chivati. Nettoyez avec du vinaigre dans lequel vous aurez mis du poivre ou une pincée de piment. Ah, ça y est, j'ai le tips pour mon canapé. Le sel et le poivre derrière le canapé. Je vais prendre le moulin. Daniel et Béatrice sécurisent la maison avant de se lancer dans l'ultime nettoyage. Wow. Ah, mais là, tu retrouves une vraie case. Ouais, après, bon, les meubles, à mon avis, ils sont un peu vieillots, mais déjà, il y aura une maison propre. Je suis très impatiente à découvrir la maison, surtout la chambre en fait. Bon, j'ai le top, hein. À pouvoir y faire des gosses dans la case. Quand on va demander un verre d'eau, il va pouvoir nous donner un verre d'eau. Enfin, voilà. Elle est quand même contente qu'elle va pouvoir avoir un verre d'eau. Il a l'air au bout du rouleau, Fifi, là. Bah ouais, mais j'espère bien que tu vas continuer à faire le ménage. Bah oui. Elles viennent pas pour rien, hein. C'est Riville, là. Je crois, hein. Bonjour. Oh, chemise, Fifi. Enfin, et il a heures, un truc que j'adore, je veux dire, j'adore le mot pantacourt. 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 Bermuda. T'as vu, attends, regarde, ils se sont bien démerdés. Maintenant, la voie est libre. Super, hein. Il est super content. Ah, Angèle, elle s'est mise sur son 31, là. Le reste, ça commence par la véranda. Une véritable pièce. Oh là là. Un petit fauteuil et tout. C'est plus une véranda, en fait. C'est même plus une poubelle. C'est une pièce. Bah ouais, bah ouais, c'est le but, ma grande. C'est plus d'une maison, hein. Wow. C'est super mignon. Oh, non, alors là, je suis désolé, elle pleure. C'est que c'est vrai. Ouais. Je pense pas que ça du fait, elle pleure. Oh, regarde, putain, ah ouais, c'est pas mal. Même le parquet, il est pas mal. Elle est super contente, Angèle. Nos fées du logis lui ont rendu sa fonction originelle, celle d'une salle à manger. Ah. Ah. Eh ben, petite raclette, hein. Et les pommes de terre, on n'a pas fait ça pour rien. Tu sais que je kiffe les vieux meubles comme ça. Tu sais, j'en mettrais pas chez moi. Rustique. Mais quand, je sais pas, chez tes grands-parents et tout, genre, c'est trop. Tu sens qu'il y a une vie, genre. Ouais, je comprends. C'est sentimental, en fait. Mais ils en ont fait quoi de la salle de bain? Ils ont cassé, du coup, ce qu'il y a. Oh, mais une cuisine carrément, là. Allez, lui racheter une cuisine. Béatrice et Daniel vous ont même fait un petit cadeau. Un superbe meuble Evie en inox. Ça, c'est pas mal. Top, hein. Oh, ouais. Bon, les prises à revoir, mais ma petite électricien. C'est pas du Legrand. Ouais, ouais. Bah, c'est top, ça. Une bonne petite baraque. Bah, tout le monde est fin content. Et place à une salle de bain digne de ce nom. Oh. Ah, super bizarre, la vidéo. Ouais, mais c'est pour les vieux, je pense. Tu sais, pour qu'ils puissent s'asseoir. Ouais. Bah, tu sais, tu peux t'asseoir là. Vous voulez changer de vie? Maintenant, c'est votre histoire. Il y avait un bidet. Oui, il y a un bidet. C'est fou, ça. Moi, je crois qu'un bidet, c'est pour se laver les pieds. Ouais. C'est pour se laver le fiac, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque encore? Un enfant? Un petit gosse? Ma chambre. Ah non, une chambre. Ouais. Ouais, ça commence par là, hein. Ah là là, spacieux. Regarde l'hôtel, là. Ouais. Bon, l'hôtel à 40 balles la nuit, quoi. Ouais. Là, franchement, je suis... Bah là, t'es au top, mon Fifi, hein. Ouais, t'es au top, là. T'as intérêt de la déglinguer, l'Angèle. Oh, oui. Finaise. Ça fait chaud. Bah ouais, oh, bah c'est super bien. Mignon. Franchement, ouais. Ouais, je suis complètement zappé. Bah maintenant, je vais pouvoir venir habiter ici. Bah ouais, bah, ouais. Elle va plus décompter maintenant. Bah là, ça va Netflix and chill. Grâce à vous. Oui, mais grâce à votre courage. Vous avez eu le courage de faire la démarche. Ouais, c'est vrai, hein, en soi, c'est ouais, vrai, déjà, hein. Faut le faire. Hein. Oh, oh, bah alors là. Le bisou. Voilà. Oui, mais là, déjà des cousins cousines, les embrassades. Puis j'ai l'impression que tout est bien fini, bien au final. Moi, j'ai trop kiffé faire la petite vidéo réactive. Ouais, c'était sympa, en vrai. Et ça ramène même des bons souvenirs. Ouais, les amis, on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pid et à ma chaîne. Et lâchez un pouce si ça vous a plu. Partagez, ça ferait super plaisir. On vous fait de gros bisous et à la prochaine. Prenez soin de vous et changez vos draps une fois par semaine. Minimum.